Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes samedi. Je n'ai pas encore clôturé le précédent vlog que je commence un nouveau vlog. Si aujourd'hui on est samedi, mon amour. Et nous sommes en route pour aller chez ma mère en Bretagne. On passe pas la semaine entière, mais quelques jours chez ma mère, puisque demain, donc dimanche, nous allons avec ma soeur et ma mère au concert de roulement de tambour Slimane. Ouais, je suis trop contente. On avait offert ça pour la fête des mères à ma mère, avec ma soeur et mon frère. Et franchement, on est trop contente d'y aller. Ça va être trop cool. Slimane, c'est un chanteur que j'adore. Voilà, je l'aime trop en tant que personne. Enfin, je le connais pas personnellement, hein, mais j'aime beaucoup sa personnalité. J'aime trop sa voix, j'aime trop ses chansons. Voilà, donc je suis super contente. Et je pense que ça va être un chouette moment. Donc on a le concert à Rennes, donc c'est à environ à 1h30 de chez ma mère. Voilà, ça va être cool. On va passer une soirée entre filles. Et donc là nous sommes sur la route pour aller chez ma mère. Justement, on arrive bientôt à Rennes. On est parti à 6h45 ce matin. Là il est 9h30, on vient de s'arrêter prendre un café parce que j'avoue que je m'endors. C'est mon mari qui conduit là. Et puis bah pour sortir la chienne, faire un petit pipi, enfin voilà. J'ai extrêmement mal au cervical depuis, franchement, le soleil, ok c'est cool, mais voilà. J'ai très mal au cervical depuis un peu plus d'une semaine, qui m'engendre des migraines, c'est un enfer vraiment. J'ai encore ma sinusite, enfin en ce moment ça va pas du tout, clairement niveau santé. J'en ai marre, c'est très fatigant et là carrément ça m'irradie dans le bras et tout, enfin c'est vraiment un enfer. Ok, on n'est pas là pour se plaindre et c'est pas agréable d'entendre quelqu'un se plaindre, mais c'est mon état actuel, voilà. Donc j'essaie de prendre sur moi, ça ne m'empêche pas de faire tout ce que j'ai à faire, mais j'avoue que c'est chaud. C'est chaud de ouf, donc j'ai rendez-vous lundi avec le médecin de ma mère pour voir si... parce que j'ai pas eu le temps à mon taf de voir un médecin avant de partir en vacances. Donc voir si j'ai des examens à passer, une radio, j'en sais rien, mais il faut qu'elle me soulage. Parce que même les anti-inflammatoires ne me soulagent pas. Et anti-inflammatoires et bypass, c'est pas le meilleur mélange qui soit. Voilà, c'est un petit peu à éviter. Donc j'évite de trop en prendre. Mais j'avoue que ouais, c'est compliqué. Bref, donc du coup là, direction la Bretagne. J'ai fait mes ongles hier soir. J'avais mes ongles qui étaient encore en bon état là. J'avais fait un nail art bleu. Mais j'avais envie de changer pour les vacances, donc j'ai fait du rose, de la paillette et j'aime beaucoup, voilà, je suis super contente. J'ai eu le temps de faire ça hier soir, malgré tout ce que j'avais à faire et je suis bien contente d'avoir fait tout ça. Voilà, on est bien chargé là pour aller en Bretagne parce que... Parce que j'avais plein de trucs à ramener à ma sœur. J'ai toutes les fringues de Sachou trop petites qui vont aller pour mon neveu. Et du coup je lui amène tout ça, ça évite de les envoyer. Je vais ramener le petit air fryer Chifri que j'ai reçu de la marque pour ma mère, parce que c'est un petit et comme ma mère est seule, je me dis que ça peut lui faire plaisir. Voilà, j'en ai pas encore parlé, ça sera la surprise. Et qu'est-ce que j'ai ramené d'autre, je sais plus. Enfin voilà, j'ai plein de trucs à leur ramener. Et après nos affaires, voilà. Donc je vais vous laisser ici parce qu'on va reprendre la route. Et les enfants sont super sages. J'avoue qu'en voiture, on n'a pas du tout à se plaindre. Depuis tout petit, tu vas pas faire pipi? Non. Depuis tout petit, nos enfants sont habitués en fait à faire la route pour aller chez ma mère. Ou autre, hein, mais c'est vrai que le plus souvent on va chez ma mère et du coup ils sont très sages en voiture, voilà, depuis tout petit, hein, ils n'ont jamais pleuré en voiture, donc c'est très agréable parce que je sais qu'il y a des enfants qui ne supportent pas la voiture, qui sont malades en voiture, hein, c'est pas leur faute, hein, bichette, mais j'avoue qu'on a cette chance là quand en voiture ça se passe très bien, voilà, juste souvent la dernière heure ils commencent à se demander c'est quand qu'on arrive, ils en ont un petit peu marre, mais comme nous quoi, hein, voilà. Bref, je vais vous laisser parce que je vais remettre le GPS, même si on connaît la route par cœur maintenant. On aime bien avoir l'heure, le temps, voilà. On aime bien avoir le temps et l'heure à laquelle on arrive. Donc, ouais. Donc je vous laisse et puis on se retrouvera en Bretagne pour la suite de ce vlog.
Hola, donc aujourd'hui nous sommes dimanche, il est midi 46 et nous sommes bien arrivés chez ma mère. On est arrivé hier, on est arrivé à quelle heure hier? Je sais plus quelle heure il était, midi? Ouais midi parce qu'on est passé à McDo le midi, bah prendre un McDo. Ensuite on est arrivé chez ma mère, on a mangé, je suis partie en course avec ma mère, on a fait Leclerc. J'étais pas du tout en forme, j'ai cru que j'allais faire un malaise dans le Leclerc, donc on est vite rentré. Je voulais vous faire un retour de course avec toutes les idées de recettes et tout. Au final, on a rangé les courses pas à l'arrache, mais moi aussi à l'arrache parce que j'étais pas bien. Et je me suis posée, je vous l'ai déjà dit je crois hier en voiture, mais je suis complètement bloquée. C'est la minute râlage, hein, je vous le dis, enfin pas râlage mais la minute santé. Je suis complètement bloquée au niveau du cou, des cervicales et en haut du dos. Quand je vous dis que je n'ai jamais eu une douleur comme ça au niveau des cervicales, je suis souvent bloquée ici, bah c'est le stress, etc. Donc je suis très très souvent bloquée à cet endroit-là. Mon mari me masse souvent, ça arrive à me détendre, enfin voilà. J'avais des séances de kiné avant, j'allais toutes les semaines chez le kiné par rapport à ces douleurs parce que du coup ça m'engendre des migraines aussi, hein, en plus de mes migraines avec Aura, donc tu vois le délire. Et donc là complètement bloqué, mais vraiment genre douleur plus au point de d'en chialer quoi, vraiment. Donc mon mari, franchement ça a été un amour, il m'a massé hier, j'ai conduit un petit peu, franchement il a conduit pratiquement toute la route, hein, j'ai conduit une heure. Pendant que je conduisais, il essayait de me détendre un peu les cervicales. On est arrivé chez ma mère, il m'a massé, il m'a remassé le soir. Enfin voilà, trop mignon. Alors ça guérit pas mes bobos malheureusement, mais ça atténue vraiment la douleur. Ça me fait vraiment du bien quand il masse. Mais après, dès que ça refroidit, bah voilà, ça me refait mal. Donc voilà pour ça. Raph a refait de la fièvre hier soir et cette nuit. Depuis mercredi soir en fait, il nous fait des pics de fièvre dans la soirée. Et sa choue est pris du nez et une toux bien grasse. Donc j'ai dit à mon mari ce matin, écoute, on va aller à la maison médicale. Puisqu'en Bretagne, pas très loin de chez ma mère, il y a la maison médicale qui est ouverte le samedi et le dimanche. Je trouve ça vraiment cool qu'il y ait ça. Ça évite de trop blinder les urgences. Bon là, clairement, je ne serais pas allée aux urgences. Hein. Un cas comme ça, voilà, j'aurais attendu demain pour voir un médecin. Mais je trouve ça pas mal quand tu tombes malade le week-end de quand même pouvoir voir un médecin généraliste. Donc, on y est allé avec mon mari et les garçons. On a vu un médecin qui s'est très très bien, donc il a vu les garçons. Raph a une angine. On s'est un petit peu douté ce matin parce que quand il a déjeuné, il trouvait que son chocolat chaud n'avait pas le même goût, n'était pas très bon. Et souvent, quand il nous fait ça, c'est qu'il a une angine. Donc il a la gorge bien rouge. Le médecin lui a fait le test de l'angine. Le pauvre, il était pas bien mon fils. En même temps, c'est pas du tout quelque chose d'agréable, hein. Donc angine virale du coup, pas bactérienne pour Raph, donc c'est cool, pas besoin d'antibio. Sa choue rhino-bronchite, donc lui il a un plus gros traitement, il faut bien lui moucher le nez, etc. Et moi, bah grosse cervicalgie, contraction musculaire, je suis toute bloquée, il m'a dit vous êtes bloquée de là jusqu'à milieu du dos. Donc, il m'a donné un décontractant musculaire, de la cortisone et un antidouleur. Après, j'arrive à tourner la tête, hein, mais ça me fait tellement mal. Donc, du coup, ensuite, nous sommes allés à la pharmacie de garde pour aller chercher tout ça. Et voilà, on a fait une partie de Mario Party en rentrant sur la Switch. Là, on vient de manger. Ma mère avait fait des boulettes avec des pâtes. Et là, je suis en train de faire le montage du précédent vlog que je ne vous ai toujours pas mis en ligne. Et cet après-midi, vous allez me dire c'est quand qu'elle arrête de parler celle-ci. Cet après-midi, nous partons avec ma sœur et ma mère à Rennes, direction concert de Slimane. Je suis trop contente. Et voilà, trop bien. Donc Rennes, c'est à 1h30 chez ma mère. Donc on va partir relativement tôt parce que le concert est à 18h. Et du coup, ce soir, concert. Ensuite, on se fait un petit resto toutes les trois. Je suis contente, ça va être sympa de partager un moment comme ça toutes les trois. C'est pas quelque chose que je fais souvent, hein, puisque je n'habite pas près d'elle, malheureusement. Et du coup, c'est des moments de vie cool, quoi. Donc, on laisse nos hommes avec les enfants. Il est mort avec toi. Donc, du coup, Wally Walou, j'ai ramené tous les sacs pour ma soeur, comme je vous disais, les vêtements pour Mylon. J'ai ramené des vêtements en Chine. D'ailleurs, je crois qu'elle a reçu un colis, il faut que je joue avec elle. Les bougies pour le baptême.
Donc voilà. Bref, je vous laisse ici. Je vous retrouve un petit peu dans la voiture tout à l'heure quand on ira en direction du concert. Et je vous filmerai pas trop au concert parce que je peux pas mettre de musique sur YouTube, ça sert à rien. Mais je vous mettrai une petite vidéo de mon amour Slimane quand même. Vous voyez la beauté fatale. Et puis voilà. Donc je vous laisse et on se retrouve un peu plus tard pour la suite. Bobo. Bobo. Regarde là. Ma boubou. Bon, ça y est, on est arrivé à Rennes. On vient de se garer dans le parking du truc de dans la salle. Alors pour info, il passe dans la salle le Liberté à Rennes. Voilà. Bon, moi je connais pas parce que je suis pas d'ici, mais ma soeur et ma mère ne connaissaient pas non plus cette salle là. Ouais. C'est mon vlog. Donc du coup bah let's go to the party. Ouais, on a envie de faire pipi, on a envie... Tu dis quoi, là-bas, ils vendront des bouteilles d'eau, hein. Ouais, bah oui, de toute façon, t'as pas le droit de rentrer avec. Ouais. On va essayer de trouver une petite boulange. Pour que je puisse manger un petit bout. Parce que ça va être dur de tenir jusqu'à ce soir. Il faudra payer, hein. Ouais. Donc, écoutez, c'est parti, mon kiki. Je vous retrouve un peu plus tard. Ça y est, on est en place. La salle, elle est assez grande, par contre les sièges pas du tout confortables. Et genre, faut pas avoir des grandes jambes les gars. Les jambes elles touchent le siège de devant. Bah du coup début à 6h, il est quelle heure là? Bon à 5h06, on s'est pris un maxi cookie. Voilà. J'en ai déjà mangé. Un maxi cookie et puis on va attendre sagement. Notre petit Slimane. Bon, ça y est, les gars, on est rentrés. Bon, les gars, ça y est, on est rentrés. Enfin, on part du concert. Ayez toujours une catoche. Ayez toujours une catoche avec vous dans un concert. C'est hilarant. Non, c'est la honte. C'est hilarant. Non, c'est la honte. Mais merde. Il faut savoir que la catoche, en concert, elle est possédée la même. C'est plus la même catoche. Elle nous fait des trucs de résistance. Ouais. Elle nous fait des... Oui. Ouais, tape des mains quand il faut pas taper des mains. Ça, c'était trop hilarant. Franchement, c'était... Mais j'ai kiffé. Ouais. C'était un concert magnifique. Ouais, vraiment. Exceptionnel. Majestueux. Genre, à la fin, il vole et tout. Enfin, Il fait participer. Il n'y a pas d'intrigue, il n'y a rien. Ah ouais. Il fait participer le public. Ouais. Il a une voix de malade. Vraiment de malade. Quand je fais, c'est... Katoche, elle Il faisait des trucs comme ça, là, mais pendant trop longtemps. Ça, tu coupes pas où. C'est pas possible. Oh purée. Non, je crois que demain je n'aurai plus de voix. Ouais. Moi j'ai envie de baiser. C'est plus les pistes. Ah ouais, dans le parking par contre, une odeur de pisse, elle est... Je crois que les gens font arrêter de pisser dans les parkings. Je crois que j'ai plus de voix. Non, franchement, un très très beau concert. Vraiment. Absolument magnifique. Ouais, ça me conforte dans l'idée que cet artiste, c'est vraiment une pépite. Et même en première partie, il y avait une chanteuse qui s'appelle Annabelle. A-N-A-B-E-L. Ah ouais, et une voix de ouf, franchement, une voix de malade. Donc voilà, on va un petit peu écouter ces musiques. Une petite photo. Cheese. Par contre, on avait un couple devant nous. Oh, un pépite. En fait, elle a pas vapoté depuis 2 heures, elle est en train de s'étouffer. C'est normal, j'ai plus de voix, j'ai la voix cassée. Franchement, il servait à rien. Un couple devant nous, ils étaient assis tout le long sur leur téléphone. Moi, je voyais, elle regardait les stories sur Facebook. Les gens. Non. Mais je vous jure. Dès qu'on chantait, elles se retournaient. Ouais, dès qu'on chantait, elles se retournaient. Genre, ils vont fermer leur gueule. On est à un concert. On est à un concert, un sketch. Franchement, un sketch. Ou alors, elle regardait maman, et ça peut se comprendre. Parce que même nous, on la regardait. Ah mince. Qu'est-ce qu'il y a? Klaxonne. Mais arrête! Mais arrête, elle va foncer dans la voiture! Mais non! Alors, elle a un problème avec les distances de sécurité! Attendez, je mets mes lunettes! Alors, elle te fait. Et en plus, il est très beau! Ouais, elle te fait la statue de la liberté, puis elle fonce dans les deniers! Trop beau, il a parlé de sa maman, d'ailleurs, ça je ne savais pas, la chanson Dans le Noir, c'est pour sa mère qui est en train de perdre la vue. Ouais. Genre, du coup, je vais plus écouter de la même façon cette chanson.
Franchement, très bon concert. Là, on essaie de sortir du parking, sauf que vous imaginez une salle de concert essayant de sortir tous en même temps du parking, c'est compliqué. Donc, je pense qu'on en a pour un moment et on va aller manger un bout à Pizza Del Arte. Et recule pas là, recule pas, cocotte. Et voilà. Donc, on vous laisse et puis je pense que je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog. On est sur un plan, les gars. Ma mère est en train de me faire mes mèches. Voilà à quoi je ressemble quand ma mère me fait mes mèches. Voilà, je suis pas encore maquillée du coup. Je ne suis même pas encore douchée, à vrai dire. Donc une fois que tout aura pris, je vais pouvoir aller prendre ma douche, me laver les cheveux, ce qui est un peu une... comment dire, contrainte pour moi. Enfin, je déteste me laver les cheveux, vraiment. J'ai fait les cils de ma mère ce matin. Je vais faire un petit rehaussement de cils avec une peinture de cils, comme je fais d'habitude. Ça fait trop trop beau, j'aurais dû vous filmer le avant-après. J'ai complètement oublié. Bon, non, je veux pas qu'on me voit. Juste tes yeux. Je veux pas qu'on me voit. Tout... Hier, on t'a vu. Hein. ouais, non, super contente. Au moins, c'est fait. Comme ça, bah, elle me fait mes mèches aussi. Comme ça, le côté beauté, c'est fait. Et voilà, parce qu'elle bosse tout à l'heure, là, donc... comme ça, tout sera fait, c'est pas plus mal. Demain, il y a ma sœur qui vient couper les cheveux au garçon et à mon mari. C'est cool. Et ils mangeront là le soir avec nous. Donc, on fera des enchiladas. Voilà. Bon, voilà. Aujourd'hui, rien de spé. Je vous dis, mon mari travaille. Là, il est déjà 14h, je sais pas combien. La journée va passer vite. Quand mon chéri aura fini le boulot, on ira peut-être se promener avec les garçons. On va voir comment je me sens au niveau des douleurs, surtout parce que j'avoue que c'est... Voilà. J'ai beau prendre sur moi et ne pas rester couchée, c'est pas facile, quoi. Donc, voilà. On va voir, on ira peut-être se promener en forêt. Ça va dépendre du temps, de la fatigue et de la motivation. Voilà, donc je vous retrouve un peu plus tard pour la suite. Hello, aujourd'hui nous sommes lundi matin. Ah, on voit qu'on a plus 20 ans les gars. Rentre de concert, le lendemain on n'assume pas. Donc ça va, Sachou s'est réveillé à 9h. 9h09 exactement. Donc il est venu nous réveiller. Mon chéri est en télétravail cette semaine. En fait, je fais du télétravail de chez ma mère. Comme ça, ça nous a permis de partir, puisque sinon il n'avait pas assez de jours de congé pour finir là jusqu'au mois de mai, puisqu'en avril on a posé des vacances et on partira. Donc du coup, il a posé des jours, il est en télétravail, donc il travaille. Ma mère travaille mais en fin de journée. Et je suis avec les zouzous, donc je viens de me réveiller, je vais petit déjeuner et puis après je vais voir ce qu'on fait. Raph dort encore. Maman, oui, mon cœur. Je pense que tu vas dire oui ou non. Dis-moi. Raph, il a dit hier que on pourra aller dans la forêt. Oui, mais il faudra attendre papa parce que moi je vais pas toute seule. Mais oui, on pourra. Donc voilà, je vais voir avec ma sœur ce qu'elle fait aujourd'hui. Je sais que Luna et Awena sont malades, donc mes nièces. Comment tu sais? Je sais tout. Non. Donc je vais voir. J'ai pas enlevé mes boucles d'oreilles hier. Bref. Je vais commencer le montage de ce vlog pour pas me retrouver en galère comme hier avec le précédent vlog. Parce que c'était une grosse galère de faire le montage au dernier moment. Ah ouh. Et puis je vais voir ce que je fais aujourd'hui. Je pense que je vais faire des jeux de société avec les enfants, je vais voir tout ça. Je vais prendre mes médocs, décontractants musculaires et tout pour pas avoir trop mal aujourd'hui parce que hier c'était un enfer. Je vous le redis, mais j'ai surkiffé le concert de Slimane. Franchement, je pourrais y retourner encore et encore et encore. J'adore cet artiste, mais vraiment son concert, il était pépite. Voilà, je t'aime Slimane. Tu m'as pris ma place. Ouais, vraiment, c'était magnifique. Si vous hésitez à prendre une place de concert, bon, je sais pas s'il reste encore des places, n'hésitez pas. Voilà, c'était vraiment magnifique. Très, très bon moment avec ma sœur et ma mère, vraiment. On s'est dit qu'on allait se faire ça tous les ans, se faire un petit concert comme ça. Là, ma sœur aimerait aller voir Deljou et Taïk, mais il n'y a pas encore les places d'ouvertes, voilà, pour le concert.
Donc, parce qu'ils ont encore sorti leur album, hein, ou alors ils viennent juste de sortir, je sais pas, mais du coup les places de concert ne sont pas encore ouvertes. Bref, je vais déjeuner, je vais prendre un petit médoc, je vais voir avec mes zouzous là, et puis bah, je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite. Ah oui, ma mère aussi a eu un petit bouquet de roses. Tous les ans, ma sœur lui offre un bouquet de roses pour la Saint-Valentin. Voilà. Je trouve ça trop mignon. Donc je vous laisse et on se retrouve un peu plus tard. Bon, ça y est, les mèches sont faites. Je suis trop contente. Ça a éclairci un petit peu. Je vous dis à chaque fois, mais je suis blonde de base. Mais je veux toujours plus clair. Bon, là, mes cheveux sont mouillés. Je suis sortie les cheveux mouillés. On est allé se promener en forêt. Ça fait trop du bien, franchement. On va faire un tour en forêt et pas très loin. Quand on sort, ouais, pose-le par terre, chérie. Voilà. Quand on sort de la forêt, il y a un petit parc, une petite aire de jeu avec des toboggans. Donc, on est allé là-bas avec les enfants et mon mari. Et on avait fait une petite chasse au trésor. J'avais imprimé, j'avais trouvé sur Pinterest des choses à trouver en forêt. Comme qu'est-ce qu'on a eu à chercher en forêt, les garçons? Des pommes, des pommes, des feuilles. Ouais, qu'est-ce qu'on devait chercher qui était sur la liste? Oui. Une flaque d'eau. Une flaque d'eau. Voilà. Au-dessus de la table, chérie. Un bonbon. Qu'est-ce qu'on devait trouver d'autre en forêt? Un bonbon. Non, pas un bonbon. Arrête de dire des bêtises. Mange au-dessus de la table, par contre, ton bonbon. Oui. Un oiseau. On devait trouver un oiseau. Oui, un nid d'oiseau. Écureuil, on n'a pas trouvé d'écureuil. Pas de renard. Feuille marron, un arbre cassé. Ouais. Une fleur violette, on a trouvé. Enfin, on avait trouvé une chose violette. On a trouvé une fleur violette. On a trouvé une fleur jaune. On a trouvé presque tout qui était sur la liste. On n'a pas trouvé d'écureuil. Et on n'a pas trouvé d'empreinte d'animaux. Oui, de chien. Oui, c'est vrai, c'est enfin l'animal. On a trouvé. On n'a pas vu d'animaux. On a vu des chiens en promenade avec leur maître. Donc on a fait ça, c'était super sympa. Les garçons en ont profité pour ramasser des pommes de pin, des feuilles, des glands. On a trouvé des champignons qu'on n'a pas ramassés, mais voilà. Ouais. C'était sympa cette petite chasse au trésor de la forêt. Voilà, j'ai vu qu'ils faisaient ça aussi sur la plage. Bon, il y a un peu moins de choses à trouver à la plage, mais voilà, c'était super sympa. Ça fait du bien de sortir un petit peu, d'aller marcher. C'était quand même assez gadouilleux, quoi. Je sais pas si ça se dit, gadouilleux. Mais c'était cool. Là, on est rentré. Moi, je me suis fait un petit café dans la petite tasse du drapeau de la Bretagne, n'est-ce pas? Les garçons sont en train de goûter. Mon chéri est remonté voir sur l'ordi pour le boulot. Et puis voilà, tranquillou. Je vous l'ai pas dit, mais on est arrivé donc samedi, on repart mercredi. D'habitude, on reste une semaine chez ma mère. Mais là, exceptionnellement, on reste moins longtemps parce que, bah, comme je vous disais, mon chéri est en télétravail. Et que vous m'avez dévalisé la boutique, donc c'est trop cool. Mais j'ai beaucoup de réassorts à faire et du coup, je vais en profiter d'être en vacances pour pouvoir refaire le stock sur la boutique. Et j'avoue que ça me manque là de pas faire de bougies et tout. C'est vraiment, c'est une passion quoi, c'est un truc de dingue, j'adore. Donc je vais faire ça sur les jours qui me restera de vacances. J'ai plein de petits trucs à faire aussi à la maison que j'ai pas le temps de faire habituellement. Donc je vais faire tout ça quand on rentrera tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Donc on rentre plutôt doucement. Ah, c'est parce qu'elle veut être tranquille, voilà. Oui, ma boubou. Non. Laisse-la. Ouais. Donc voilà, on rentre mercredi, exceptionnellement, après-demain, ouais. Et puis, bon, on essaiera de faire des trucs avec les garçons pour la fin des vacances, aller à Wow Park, voilà, essayer de faire des trucs sympathiques. Pas sympathiques. Sympathiques, sympatoches. Voilà. Catoche. La catoche. Laissez-la. La catoche. Les filles sont amoureux de la chaîne de ma mère. Des boubous. C'est boubou. C'est ma boubou. C'est ma boubou. C'est ma titou. Elle m'a chiqué l'autre, j'ai mon café. C'est trop la toutoune de la famille. C'est trop la fiche. Bien évidemment, on a amené également notre toutoune à nous, qui est couchée, hein, qui passe sa vie à dormir. Ma fille Elia. Elia, t'es sourde. Bah, elle est sourde, ouais. Bref, donc je vous laisse, je vais voir mon petit coffee.
Et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la journée. Pour la journée, pour la suite. Bon, je retrouve, je suis en train de préparer à manger. Mon mari vient de me masser les cervicales, j'ai encore trop mal. Et le médecin m'a prescrit ça, le baume aroma. Alors je sais pas si c'est sous ordonnance, parce que moi je l'ai eu sous ordonnance. Mais je sais pas si on peut l'acheter comme ça. Et dedans il y a des huiles essentielles de girofle et du piment de la Jamaïque. Ça chauffe, je vous raconte pas comment, c'est un truc de ouf. Bref, avec ça, on a fait un petit feuilleté Isbourg. Voilà. On a une petite toutoune ici présente. Donc on a fait un petit feuilleté, hop, voilà, qui est en train de chauffer. J'ai commencé à faire les assiettes de salade pour mon mari et pour moi. Ma mère va rentrer tard du boulot et il reste des pâtes aux crevettes qu'on a fait ce midi. Elle voulait ça. Donc bah, mon assiette, vous voyez, je vous montre jamais les quantités de mes assiettes. Donc là, bah, il y a de la salade pour mon mari. Là, je suis en train de faire cuire des allumettes nature, parce que j'aime pas quand c'est trop salé. Je vais faire des pommes de terre rissolées, mais je vais les faire à l'air fryer parce que voilà, poil, c'est trop long. Et donc avec, on va mettre du reblochon, c'est vraiment la salade préférée de mon mari. Et avec, comme si ça suffisait pas, on va mettre des petits chèvres comme ça sur du pain de mie à l'air fryer aussi. Voilà, ça c'est vraiment que mon mari kiffe. Il aime bien que je fasse cette salade là en hiver, donc je vais lui faire. Et moi je vais me contenter de faire la salade comme ça et le petit toast de chèvre chaud, parce que je suis pas sûre que les pommes de terre lardons reblochons ça passe pour moi. Voilà pour ce soir, je vais me reposer parce que j'ai très très mal au cervical. Et donc bah voilà, j'ai froid, c'est pas la forme, c'est pas la forme, c'est très chiant. Bref, je vous laisse et on se retrouve un peu plus tard. Hello, donc aujourd'hui nous sommes mardi. Je viens de me préparer de me lisser les cheveux. Là, on voit bien mes mèches. J'aime trop, je suis trop contente. On a rendez-vous chez le tatoueur avec ma mère, chez la tatoueuse ce matin. Ma mère doit faire ses retouches de ses tatouages. Et moi, je vais faire 3 petits nouveaux tatouages. C'est vraiment des petites pièces. Donc voilà, j'ai rendez-vous pour les 3 petites pièces. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Je vous ai déjà dit, mais en fait à chaque fois que je vais en Bretagne, c'est mon petit rituel de me faire tatouer par ma tatoueuse, hein, parce que c'est ma tatoueuse attitrée. Voilà, je sais qu'à Paris il y a plein de tatoueurs, mais moi ma tatoueuse elle est en Bretagne et j'aime trop ce qu'elle fait. Elle est adorable, elle tatoue trop bien, ses dessins sont magnifiques, enfin je l'aime trop, elle est trop cool. Si vous habitez dans le Morbihan ou que vous passez dans le Morbihan et que vous voulez vous faire tatouer, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Elle s'appelle Orane, c'est son prénom. Et elle tatoue dans un salon de coiffure pour hommes. Salon de coiffure Watson. Et elle est à... C'est à Plouarnel qu'elle est, Oran ? Ouais. Elle est à Plouarnel, voilà. Et franchement, je l'adore. C'est ma tatoueuse depuis des années. Depuis, ma soeur s'est fait tatouer par elle. Mon beau-frère, ma mère. Enfin, voilà, toute la famille y passe. Et franchement, voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup trop. Donc, je suis trop contente d'y retourner. Je suis avec Bastet. Et puis voilà, nouveau tatouage à tes souhaits. Cet après-midi, après il faut que je passe à Action pour racheter des wraps là, les faritas, parce que ce soir on fait enchiladas et comme ma soeur et mon beau-frère viennent manger, il n'y en aura pas assez. Donc il faut que j'en rachète. Et j'ai rendez-vous chez l'ostéo à 16h. J'ai trop hâte parce que franchement la douleur là, ça devient difficile à gérer. Voilà, donc j'ai vraiment hâte d'aller chez l'ostéo. Et ce soir, donc ma soeur, mon beau-frère et mes neveux et nièces viennent à la maison manger, enfin viennent chez ma mère. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de les voir parce que je ne les ai pas vus depuis qu'on est ici. Puisque bah, samedi, concert. Dimanche, ils étaient malades. Et là, bah, en fait, on a les vacances décalées, donc les petits ont école. Donc franchement, c'est trop chiant. Et du coup, bah, eux, ils ont le rythme de semaine, hein, normal. Mais vu que demain, il n'y a pas école, ben, ce soir, je vais pouvoir profiter. Demain, je vais pouvoir profiter aussi d'eux. Et nous, on repart demain dans la journée. Voilà, ça aura été très rapide. Mais on a trop de choses à faire chez nous pour, voilà, pour rester plus longtemps. Mon mari est malade. Il a eu de la fièvre cette nuit. Genre vraiment fièvre, quoi. Donc, j'espère que ça va aller. Et puis voilà, tout le monde est malade là, je sais pas ce qui se passe. C'est la merde, voilà. Donc je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer mes petits tatous.
Bon, ça y est, je viens d'aller retirer des sous pour le tatouage et là je vais en direction du tatoueur. Ma mère est déjà sur place. Putain, qu'est-ce que je fais marquer? Ma mère est déjà sur place, donc go, la route est bloquée, donc j'ai dû prendre une déviation, n'est-ce pas? Hop là. Et donc bah ça y est, on va se faire tatouer. J'ai trop hâte. Je fais partie de ces gens qui adorent la sensation quand on se fait tatouer. J'aime trop. Voilà, ça me fait absolument pas mal. J'aime trop. Bref, je vous retrouve après. Bon, ça y est, je suis rentrée de chez la tatoueuse. Alors, j'ai pas fait de tournesol ici. On le fera au mois de mai finalement. Et on commencera à faire mon bras, épaule, puisque j'ai pour projet de faire le bras complet. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait le Amor, comme ça, que je trouve trop beau. Et j'ai fait une rose sur le pouce. Je la trouve magnifique. J'aime trop. Alors, je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Les tatouages sur les mains et sur les doigts, moi, j'adore. Prochainement, je me ferai un œil aussi, l'œil de protection sur le doigt. J'ai déjà un œil de protection au niveau du mollet, mais j'en veux un sur les doigts. Je suis trop contente. Vraiment, je vous le dis, si vous passez dans le Morbihan, en Bretagne, si vous n'êtes pas loin, je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Mais ma tatoueuse, tatoueuse en or, clairement, je l'aime trop. Elle est adorable, elle tatoue super bien, elle est douce. C'est un amour. Franchement, c'est un amour, je l'aime trop. Et je suis trop contente de mes tatouages. De toute façon, je vous le dis à chaque fois, c'est ma tatoueuse attitrée. Pourtant, j'habite en région parisienne. Il y a énormément de tatoueurs en région parisienne. Mais c'est mon rituel quand je vais en Bretagne de me faire tatouer. C'est mon kiff. Je m'achète pas souvent des vêtements. Je m'achète pas souvent des trucs pour moi. Et ben, mon kiff, c'est les tatouages. Voilà. Et j'ai déjà pris rendez-vous pour le mois de mai pour mes prochains tatouages. Voilà. Ma mère, elle, a fait les retouches de ses tatouages. Je vais vous montrer. Il y a le plastique, mais on va quand même voir. Voilà, elle s'était fait tatouer trois lionceaux, enfin trois garçons lionceaux et trois petites lionnes. Deux, pardon. Pour ses petits enfants, c'est très féminin, vous voyez, il y a des fleurs et tout, c'est magnifique. Et donc aujourd'hui, elle faisait les retouches. On a une petite boubou là qui est pas loin. Et de l'autre, sur l'autre côté, elle a fait les retouches aussi, du coup. Donc on a le même papillon. Vous savez, moi je l'ai fait aussi la dernière fois. Elle a mis les initiales de ses enfants, donc ma soeur, mon frère et moi. Elle a la fleur avec l'initiale de mon beau-père et son petit ange. Voilà, ma mère adore les anges, c'est très symbolique à la maison, les anges. Elle fait les retouches de tous ses tatouages, trop cool. Bon, faut savoir que ma mère est une petite douillette, une petite chochotte. Donc elle n'aurait jamais pu faire le tatouage au doigt là, parce que je peux vous dire que celui-ci, il défonce. Voilà. Celui-ci là, au doigt. Autant pour les autres. Moi, j'avais eu mal, mais vous voyez, c'est très rapide. Celui-là. Voilà. Je ne ferai pas des gros tatouages comme ça tous les jours sur mes doigts. Après, la douleur, elle est éphémère, quoi. Enfin, ça va pas durer. Donc, voilà. Voilà, je suis trop contente. C'est fait. Et là, je vais manger parce que j'ai faim. Ce midi, c'est galette bretonne. Et puis voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure, cet après-midi ça va être tranquille, je vais essayer de me reposer un peu parce que je suis claquée. Et à 16h j'ai rendez-vous chez l'ostéo, je peux vous dire que j'attends ce rendez-vous avec impatience, un truc de ouf. Bref, je vous laisse et on se retrouve un peu plus tard. Du coup je suis rentrée de chez Action, j'y suis passée vite fait avec Sachou qui m'a dévalisé le magasin. Jamais aller à Action avec des enfants les gars, jamais. Je vais essayer de vous poser comme je peux filmer ce que j'ai acheté. Et juste après, j'ai rendez-vous chez l'ostéo, donc je vais filer chez l'ostéo. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai pris donc chez Action. Mettre le sac là, je vais essayer de ne pas me faire trop mal. Et les prix, je vais essayer de vous les donner au fur et à mesure. Donc tout d'abord, j'ai pris des chaussettes pour ma mère, parce que la dernière fois, elle m'a dit qu'elle n'en avait pas assez de paires comme ça. Mais c'était pas celle-ci qu'elle voulait, c'était celle avec des espèces de petits poils comme j'ai moi, qui tiennent bien chaud. Ouais, mais bon, ça lui tiendra chaud quand même. Donc à chaque fois, il y a deux paires et il y a les petits points antidérapants. Donc c'est taille unique, voilà. C'est au rayon femme, tout simplement. Et ça, ça coûtait dans les 2 euros, ouais, 2,49 € le lot de deux à chaque fois. Ensuite, Sacha s'est pris des gâteaux comme ça, Saint-Michel, des espèces de galettes moelleuses au chocolat. Ça, je crois que c'est dans les 2 euros, 1,79 €. Donc ça sera pour le goûter. À la base, j'y allais pour ça, donc pour les wraps.
pour faire les enchiladas pour ce soir. Je vous en ai déjà parlé, mais moi à chaque fois je prends les wraps comme ça. Ils sont très très bons ces wraps là. Et ils coûtent 1,29€. Il y en a 8 à l'intérieur. J'ai voulu tester les bralettes comme ceci. À voir, j'en ai jamais porté. Donc c'est un soutien-gorge où il n'y a pas vraiment de maintien. Hein, mais voilà, à voir, je l'ai pris en taille M, je sais pas trop. Ça correspond à 40-42. Ça, je pense qu'on peut pas les changer vu que c'est de la lingerie. C'était dans les 4€, il me semble. 4,79€. Et si ça me va, j'en prendrai d'autres couleurs. Il y avait rose et blanc. Sachou m'a demandé ça. Un cahier de coloriage, on va laisser ça chez ma mère. Hein. Clairement, on en a 10 000 à la maison pour 99 centimes. Il y a des stickers et des coloriages, de la pâte patrouille. Ça l'occupera. Il m'a également fait acheter... Oh, ça fait mal. Des tampons pour 1,99€. Alors, on en a à la maison. Il m'a dit oui, mais on n'a pas les calculs. Donc, voilà, ça, je sais pas trop d'accord, mais bon. Bref, ensuite on a pris des stickers pour faire une carte. Alors en fait, mon neveu a envoyé une carte de bonne année aux enfants qu'il a fait à l'école. La maîtresse leur a demandé à qui il voulait envoyer à chaque enfant leur carte. Et mon neveu a choisi ses cousins, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc ils avaient une carte à leur nom à la maison avec marqué bonne année, Mylon et un petit poème. J'ai trouvé ça trop beau. Et derrière l'enveloppe, il y avait marqué que pour répondre, il fallait envoyer une carte à l'école. Donc, chose qu'on va faire. Donc, j'ai dit à Sacha de choisir des stickers qu'on va mettre sur la carte. Donc, il a pris un carnet de stickers comme ça, Avenger. Il y a plusieurs feuilles dedans. Il a pris des petits stickers voiture, tracteur, comme ceci. Et les animaux. Voilà, franchement, ils sont trop jolis, leurs stickers. Ça... Chez Primark, alors celui-ci coûtait 89 centimes et ceux-là, 57 centimes. Donc ça, on le fera tranquillement ensemble. Je vais pas les laisser faire tout seul parce qu'ils vont faire n'importe quoi. Je me suis pris un coussin comme ça avec des billes dedans chauffant ou froid. Alors j'en avais un truc comme ça à mettre au niveau des cervicales que mon ostéo m'avait conseillé, qui était trop trop bien. Je ne connais plus la marque, mais ça a coûté assez cher. Et à force de l'utiliser, en fait, ça s'est percé. Et du coup, c'est plus utilisable puisque les billes sortent. Il faut que j'en achète un. En attendant, j'ai pris celui-ci qui est beaucoup moins grand. Mais je me dis que là, pour dépanner, ça pourrait être bien. Je mets ça au micro-ondes et je le poserai à tour de rôle quoi sur mes cervicales. C'est très très efficace ces trucs-là si vous avez des douleurs aux cervicales. Et là, vous pouvez le mettre aussi au frigo pour un effet froid en cas de bosse ou de choses comme ça. Mais pour les douleurs cervicales, j'ai tout ça. C'est top. Et ça, ça coûtait 2,12€, pardon. J'ai également pris des craies pour les enfants. Alors, on repart demain de chez ma mère, qui pourront en faire jusqu'à demain. Des craies en forme d'œuf, comme ça, c'était dans le rayon Pâques. Ils aiment bien. Devant chez ma mère, il y a une espèce de... un parking, quoi. Donc, ça coûte 99 centimes. J'aurais pris ça, je sais pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est un Rubik's Cube? Je ne sais pas. On peut faire des animaux avec, des formes. Ça, je sais que ça va plaire à Raph puisqu'il adore tous ces trucs-là de logique, etc. 99 centimes. Ensuite, j'ai trouvé des bijoux pour moi. J'ai vu des vidéos passer où les bijoux étaient vraiment pas mal. Donc ça, c'est en acier inoxydable. J'ai pris deux bagues comme ça, couleur dorée. J'espère qu'elles vont m'aller. J'ai la tête qui tourne, mais vivement l'ostéo là. J'ai bientôt rendez-vous, donc il faut que je m'active un petit peu aussi. Là, dans la maison. Donc les bijoux, ils étaient à combien? Attendez, j'essaie de trouver. C'est pas évident les tickets. Hein. 1,99€ la bague. Franchement, si elle est de bonne qualité, ça vaut le coup. Et en ce moment, j'ai envie de bijoux. Voilà. Franchement, elle est trop belle. J'ai trouvé trop canon et elles sont réglables. Ouais, trop belle. Trop, trop jolie. Trop contente. Ok. Et celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est trop petite. Enfin, elle est réglable, mais vous savez, il ne faut pas non plus que ça serre trop. Hein, sinon, voilà.
et elle était au même prix. Il y avait plein de bijoux, il y avait des colliers en acier inoxydable, il y avait des bracelets. Après, ma collier, je porte toujours les mêmes. Et les bracelets, bah, j'ai toujours les mêmes aussi. Hein. Bon, les bagues aussi, vous me direz. Il n'y a que les boucles d'oreilles que je change. Elle est comme ceci. Je ne sais pas où je vais la mettre parce que là, ça fait un peu trop de bagues. Et là, c'est ma main dorée. Voilà, là, c'est mes bagues en or. Et là, c'est mes bagues en or blanc ou en argent. Je vais voir si je la mets au pouce, celle-ci. Au majeur, je peux pas en mettre parce que j'ai mon tatouage en fait et du coup, je vois pas l'intérêt de le cacher. Bon, écoutez, je vais la mettre là pour l'instant. Ouais, celle-ci, elle sert un peu plus déjà. Ça, c'est pris des feutres comme ça, une boîte de feutres. Je crois que ça, c'est 99 centimes. Ils sont pas dingues ceux-là, mais ils voulaient absolument ceux-là. J'ai voulu. Alors, oui, c'est pris des crayons de couleur aussi. Ah non, mais je vous dis, il m'a dévalisé. Hein. Crayons de couleur, 1,49€, je crois. 1,46€. Voilà, il a de quoi faire ses coloriages. Il a pris une bombe de bain pour lui et une bombe de bain pour son frère. Voilà, donc ça, on va la ramener à la maison. Moi, j'ai voulu tester cette brosse nettoyante pour le visage à 89 centimes. Une brosse en silicone. Vous avez un pinceau en silicone et une brosse pour nettoyer. J'ai trouvé ça sympa. Vous voyez, vous pouvez brosser, appliquer le masque et tout. Ça peut être cool et c'est vraiment pas cher. Et ensuite, j'ai pris des petits trucs pour ma nièce. Voilà, donc je lui ai pris un pinceau comme ceci en forme de donut, trop mignon. Là, c'est un petit cahier de stickers pour mettre sur les ongles. Et je lui ai pris également des faux ongles. Je sais que c'est pour adultes, mais je me dis, voilà, je vais lui mettre ce soir, elle va être trop contente. Elle les gardera pour ce soir et pour demain. Et je lui ai pris une palette de maquillage. C'est la nouvelle palette de chez Max & More. Elles sont trop trop belles, les palettes de chez Max & More. C'est pas pour les enfants, hein, c'est pour les adultes. Mais ma nièce les adore. Elle est à 4,59€. C'est la Sparkle, donc c'est la toute nouvelle. Elle est magnifique. Je vous aurais bien dit que j'ai envie de la garder pour moi, mais j'en ai déjà plein des palettes. Et les Max & More, ce ne sont pas mes préférés, même si la qualité est ouf. Hein. Là, c'est deux phares là. On voit pas bien, mais ils ont des reflets magnifiques. Voilà. Donc voilà pour Action. Je suis ravie de mes achats. Il y a des choses que je trouve pas dans mon Action à moi, donc c'est cool. Je vais ranger tout ça avant que les enfants me mettent trop le bazar. Hop, là, voilà. Ça, je donnerai à ma nièce tout à l'heure. Là, je vais filer chez l'ostéo. Viens, chérie, fais tes coloriages. Là, tu m'as fait acheter des coloriages. Donc du coup, je vous disais, je vais aller chez l'ostéo. Hop là. Je vais aller chez l'ostéo. Pousse-en, ma fille. Et ensuite, bah, quand je vais revenir, il y aura, je pense, ma soeur qui sera là avec les enfants. Donc, je pense pas vous retrouver ce soir. Je sais pas, je verrai. Donc, je vais vous laisser ici. Et puis, bah, je vous retrouve un peu plus tard pour la suite. Bon, c'est bon, je suis arrivée dans chez l'ostéo. C'est pas encore ouvert. Je sais pas s'il est déjà là ou pas. Je voulais vous parler d'un truc. J'ai découvert une personne qui fait des vidéos sur YouTube, des vidéos de musique. Alors c'est pas du tout le genre de vidéo que je regarde habituellement. Et en fait, c'est une personne que ma mère connaît, qui s'appelle Alix Bonan. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. C'est une jeune femme qui fait de la guitare, je crois essentiellement de la guitare. Franchement, j'adore ce qu'elle fait. Ses sons, c'est tellement apaisant. Je vous disais, ses sons sont très apaisants. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Franchement, elle a un talent de dingue. Elle mérite d'être connue. Donc, si vous aimez bien écouter de la musique, voilà, écouter de la guitare, je vous invite à aller la suivre, à aller l'encourager, lui donner un petit peu de force. Je la connais pas du tout personnellement, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je me dis que bah, c'est bien de s'encourager, voilà. Donc, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Elle s'appelle Alix Bonan et franchement, pépite. Vraiment pépite, pépite, pépite. J'adore. Voilà. Bref, je viens de voir l'ostéo rentrer. Il a mon âge, quoi. Putain, j'aime pas quand... j'aime pas déjà voir des médecins. Bon, là, c'est pas un médecin, mais bref. Homme, j'ai du mal, je suis pas à l'aise. Mais encore moins quand ils ont mon âge. Et là, il a l'air d'avoir mon âge. Voilà, on adore. Hello! Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi et c'est le jour du départ. Aujourd'hui, on rentre à la maison. Hier soir, donc ma soeur, mon beau-frère, mes neveux-nièces sont venus manger. C'était super sympa. On avait fait donc enchiladas.
Et voilà, après ma mère est rentrée du boulot, on a papoté un peu et je suis allée me coucher, j'étais chaos technique. Ce matin, réveillée à 8h30 par les garçons. On s'est préparé tranquillou, j'ai fait toutes les valises et on est allé à Alley Kids, c'est un peu le même style que Wow Park, Royal Kids, enfin voilà tous ces trucs-là, là, les aires de jeu fermées. Donc j'y suis allée avec j'y suis allée avec ma sœur et mon beau-frère et les enfants. Mon mari travaillait du coup en télétravail. Et là nous sommes rentrés, j'ai pris ma nièce avec moi. On a pris McDo, les enfants viennent de manger McDo. Et moi j'ai mangé un petit bout d'enchilada, ça a du mal à passer, donc là je me pose un petit peu pour digérer. Ensuite on va charger la voiture et dès que ma mère rentre du travail à 14h30, on part. Voilà, on y va parce qu'on en a 500 km qui nous attendent et on aimerait ne pas rentrer trop tard. Il pleut non-stop depuis ce matin, donc j'espère que la route ça va aller parce que c'est chiant de conduire sous la pluie. Mais pas vraiment le choix, voilà. Sacha. Donc on va faire ça, j'ai hâte d'arriver en fait, la route me saoule. Le fait après de devoir tout ranger, toutes les valises et tout, ça va être chiant, mais c'est comme ça. Donc voilà, voilà pour le programme de la journée. Je vais faire toutes les commandes qu'on a eues sur la boutique ce soir et les envoyer ce soir. Voilà, et voilà, je suis trop contente, c'est trop cool. Et comme je vous disais, fin de semaine, je fais le réassort de la boutique parce que vous m'avez dévalisé, donc j'ai plein de stocks à refaire. Et puis voilà, je vais essayer de me reposer aussi sur les derniers jours de vacances qu'il me reste. Donc je vous laisse et puis je vous retrouve un peu plus tard pour la suite. Bon, ça fait longtemps que vous n'êtes pas retrouvés ici. Vous n'êtes pas cadré, désolé. Nous sommes rentrée à la maison, la route a été horrible, horrible. On est parti à 15h de chez ma mère, donc je sais plus si je vous ai retrouvé ce matin. On était déjà rentré de Haut Park ou pas? De Alley Kids, je veux dire, je sais plus. Bref, on est parti avec ma soeur, mon beau-frère, mes neveux, nièces à Alley Kids. Oui, je vous disais, c'était comme Haut Park, Speed Park, tout ça. Ensuite, j'ai pris ma nièce avec nous, on est allé prendre McDo. On a mangé chez ma mère, on a attendu que ma mère rentre du boulot, oui ça je vous ai retrouvé. Et donc, on est parti à 15h de chez ma mère. Il a plu tout le long de la route, voilà, pendant 500 km, on a eu de la pluie, c'était horrible, on ne voyait absolument rien. C'était très chiant, très fatigant, voilà. Donc 500 bornes sous la pluie, on a eu des bouchons à Rennes, voilà, qui ont duré quand même assez longtemps. Attendez, je me nettoie le visage. Je vous disais, on a eu des bouchons à Rennes qui ont duré assez longtemps, voilà, c'était très très chiant. De la pluie tout le long, on s'est arrêté prendre un petit goûter, etc. Sur une aire d'autoroute et arrivé en région parisienne. De nouveau bouché, voilà. Donc on a perdu énormément de temps. C'était très très chiant. Franchement, les enfants ont été super cool. Les enfants sont tout le temps très très cool en voiture. On a vraiment de la chance pour ça. Parce que même nous, on n'en pouvait plus avec mon mari, quoi. C'est un truc de ouf. On est rentré. Alors en rentrant, on est passé au restaurant chinois prendre à emporter. Parce que on a rien à manger à la maison, voilà, faut que je fasse les courses demain. Et il y a toujours des trucs dans les placards, au congèle, etc. Mais franchement, je savais qu'en rentrant, j'allais avoir la flemme de faire à manger. Attendez, je suis en train de chercher un haut de pyjama. Donc du coup, on a pris restaurant chinois. Les enfants étaient très très contents et ensuite j'ai fini de tout ranger. J'avais reçu une commande Chine pendant mes vacances. Mon père était venu prendre le courrier parce que mon père habite juste à côté. Hein. Donc il vient tout le temps en fait quand on n'est pas là. Et il m'avait rentré du coup le colis Chine. Donc je l'ai ouvert tout à l'heure. J'étais trop contente. J'ai reçu plein de trucs pour la boutique. Enfin des nouveaux moules. J'ai reçu des... Enfin, je vous montrerai demain, mais j'ai reçu plein de trucs et même
pour moi et tout. Et d'ailleurs, j'ai refait une commande tout à l'heure. Attendez, où je peux vous poser? Comme ça, je range en même temps. Désolée, c'est pas très... voilà. Du coup, j'ai refait une commande tout à l'heure en voiture sur Chine et j'ai commandé des sous-vêtements. J'ai jamais pris de sous-vêtements sur Chine, donc j'espère qu'ils seront bien. Voilà. Je vais tester, je verrai bien. Sachant que bah, les sous-vêtements, on ne veut pas les renvoyer. Donc j'espère vraiment que ça ira. Sinon, bah, sinon tant pis. Voilà. Clairement. Attendez, je suis en train de chercher mon beau balai parce que là, ça fait un moment que j'en ai pas mis et mes lèvres sont en PLS. Donc, j'ai refait une commande et je vous montrerai demain ma commande Chine. Toutes vos commandes vont partir demain matin. J'ai reçu des messages pendant mes vacances me demandant bah, les commandes qui étaient sur la boutique, etc. Si j'avais bien reçu vos commandes. Si ça, ça avait bien été pris en compte. Donc ne vous inquiétez pas. Alors habituellement, si j'étais partie une semaine en vacances, je l'aurais marqué sur la boutique, je vous aurais prévenu que les commandes n'allaient pas être envoyées tout de suite. Là, j'ai pas fait de message tout simplement parce que nous sommes partis samedi chez ma mère et qu'on. Voilà, aujourd'hui on est mercredi. Donc en fait, ça au niveau du temps de traitement de commandes et d'envoi. Voilà, c'est pas énorme quoi. En jour ouvrable, on a 3 jours là, donc il n'y a pas de souci. Après, je sais que pour celles et ceux qui ont déjà commandé sur ma boutique, vous savez que j'envoie les commandes très rapidement. Mais voilà, là, vu qu'on partait pas longtemps, je n'ai pas mis de message sur la boutique, donc toutes les commandes seront envoyées demain. Là, on a tout. Voilà, tout est calé, tout est noté, tout est machin. Donc les commandes partiront demain matin. Voilà. Demain, il faut que je fasse des courses. Là bah moi je suis toujours en vacances, je vais garder les enfants, mon chéri va toujours être en télétravail pour la fin de semaine. On a pas mal de trucs de prévu ce week-end et j'aimerais avancer sur toutes les choses que j'ai pas le temps de faire la semaine quand je travaille. Je vais tourner des vidéos, je vais faire pas mal de montage vidéo également. Je vais bah, faire du réassort sur la boutique et commencer la collection de Pâques. Voilà, d'ailleurs dites-moi si vous seriez intéressé par la collection de Pâques sur la boutique. Je vais faire une box pour Pâques et je pense une bougie, je sais pas encore. Et du coup, je sais pas encore combien faire de box. Voilà. En tout cas, j'ai trop hâte. Et puis voilà, je suis contente de tout avoir rangé. Ça c'est cool. Moi, quand je rentre de vacances, il faut que tout soit rangé direct. Enfin, je vais pas me coucher tant que c'est pas rangé, clairement. Et voilà, demain je ferai une petite machine. Après, on a lavé toutes nos fringues chez ma mère, hein, donc j'ai pas beaucoup de fringues à laver. J'ai juste nos pyjamas d'hier soir et nos vêtements d'hier, quoi. Donc demain, je ferai une machine. Et puis voilà. Donc je vais vous laisser ici pour ce soir, je vais aller prendre une douche, me mettre en pige, me coucher, voilà, parce que je suis très fatiguée, voilà. Malgré que je sois en vacances, je suis encore fatiguée, mais bah, comme je vous dis, je suis toujours bloquée des cervicales, j'ai des grosses douleurs, ça m'irradie dans le bras et tout, donc ça me fatigue énormément. Donc je vais profiter des derniers jours de vacances qui me restent pour me reposer maintenant qu'on est à la maison, que voilà. Je vais me reposer, c'est comme vous pouvez voir à ma tête, voilà, hein, niveau fatigue, on est au top. Et puis, voilà, j'espère en tout cas que vous, ça va. Je vous remontre mes tatouages, là, que j'ai fait hier. Franchement, je les trouve trop beaux. Donc, il y a celui-ci et ma rose sur le pouce. Alors, au début, j'étais partie sur une rose beaucoup plus petite sur la main. Et en fait, elle me l'a dessinée comme ça. Et quand elle me l'a posée, je lui ai dit, bah ouais, en fait, je veux cette taille-là. Voilà, j'adore... les tatouages sur la main, sur les doigts. Vous voyez, j'en ai quelques-uns. J'aime beaucoup, beaucoup. Après, je sais que c'est un style particulier, voilà. Mais moi, j'adore. Je trouve ça très, très joli. Et là, j'ai pris rendez-vous pour commencer mon projet du bras parce que j'aimerais me faire un bras entier avec des fleurs. Et du coup, ça y est, on a commencé le projet avec ma tatouée. J'en ai parlé bah, quand je me suis fait tatouer. Elle a commencé à me dessiner tout ça et bah, la prochaine fois je vais en Bretagne. On commence le projet, alors ça va être fait en plusieurs fois hein, parce que je peux pas les tatouer le bras entier en une fois. Déjà parce que les tatoueurs font rarement un tatouage comme ça de des heures et des heures.
en une fois. Et en plus, un bras complet, il faut monter entre 800 et 1000 euros. Donc tranquille. Voilà, on va y aller tranquille. Déjà, la première partie que je vais faire, c'est-à-dire épaule et haut du bras, là, il y en a entre 200 et 300 euros. Donc, on va commencer comme ça. Et bah, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Voilà, trop trop beau. Il y aura des pivoines, évidemment. Et des roses aussi, évidemment. Donc, trop trop hâte. Bref, j'arrête de parler, je suis fatiguée. Donc, je vous laisse ici et on se retrouve demain pour la suite. La meuf, elle vous retrouve, elle est en train de manger. Est-ce que c'est normal? Les gens qui font ça là, qui se filment en mangeant, c'est quoi le problème? C'est quoi le délire? Je comprends pas. Voilà. Nous sommes jeudi. Jeudi matin, il est déjà 11h15. J'aimerais qu'il soit 8h du matin pour avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Ce matin, qu'ai-je fait? Déjà, réveillé 8h30. Je me suis occupée de sa choupe parce que c'est lui qui était réveillé. Je me suis préparée, petite douche, petit maquillage, tout ça, tout ça. Ensuite, j'ai fait une machine, enfin voilà, le petit truc de la maison quoi. Et j'ai fait mon montage de ma vidéo Chine qui est en ligne depuis jeudi. Normalement, je mets les vidéos mercredi et samedi ou dimanche, plus le dimanche. Mais je n'ai pas du tout eu le temps de faire le montage avant. Enfin, j'ai pas eu le temps. Si, en Bretagne, j'ai eu le temps, mais je sais pas ce que j'ai foutu. J'avais pas fait le montage de cette sélection Chine, donc bah, je l'ai fait ce matin, je l'ai mis en ligne à l'instant là. Et du coup, bah, ça m'a pris du temps, hein, voilà. Et là, je vais commencer la production de bougies et fondants. Je sais même pas par où commencer. Là, faut que je m'organise dans mon cerveau. J'ai également les courses à faire sur le drive et il faut que j'aille à Lidl. Il y a ma cousine qui va venir. Elle m'a proposé de venir, donc bah, c'est avec grand plaisir. Du coup, elle va m'aider et m'aider avec les garçons si jamais il y a besoin, parce que du coup, là, je vais pas être très présente aujourd'hui pour eux. Donc voilà, pas mal de choses à faire. J'attends que mon mari raccroche parce qu'il est en télétravail, parce qu'il fait beaucoup de bruit, pour vous montrer ce que j'ai reçu, ma commande Chine que j'ai faite. Parce que bah, là, je vous dis, il fait trop de bruit, ça va être chiant. Et je vais commencer la prod, je pense que je vais commencer par les fondants et à faire les bases de mes bougies, comme ça je ferai la chantilly tout à l'heure. Et je vais faire aussi les poudres parfumées parce que vous m'avez bien dévalisé en poudres parfumées. J'aime tellement les poudres parfumées. D'ailleurs, dites-moi si vous avez commandé sur mon site des poudres parfumées. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Pour l'instant, j'ai eu qu'un seul retour. Ah, il y a un voisin qui perce. J'ai eu un retour d'une personne qui avait commandé des poudres parfumées. Il y en a beaucoup hein, qui ont acheté des poudres parfumées. J'en ai pratiquement plus sur la boutique. Et il y a une personne qui m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle adorait en fait la poudre parfumée. Donc bah, ça me fait super plaisir. Donc si vous en avez commandé, n'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir si vous avez aimé. Parce que moi vraiment, je peux plus m'en passer. Genre chez ma mère, j'en ai ramené et ça c'était trop trop bon. Enfin, j'aime trop. Bon les gars, bon. Je vous laisse parce que là ils sont en train de percer, je sais pas où, c'est le bordel. Bon, la meuf qui se disperse complètement, j'ai fait la liste des fondants crémeux, poudre parfumée, etc. à faire et j'ai une sacrée liste quand même. Et là mon chéri m'a monté cette étagère là que j'ai pris sur Shein. C'est trop cool, je pensais pas qu'elle était aussi haute là, c'est trop bien. Et j'avais ce tourniquet là de chez Shein qui est très très bien aussi. Et j'ai un autre tourniquet en bois pour mettre les épices, sauf que vous voyez, c'est pas très accessible. Enfin, ma cuisine n'est pas du tout pratique, je la déteste. Et du coup, je suis en train de mettre toutes mes huiles ici. Comme vous voyez, j'ai une passion pour la truffe hein, quand même. Donc, je suis trop contente, je vais essayer de mieux organiser mon truc. L'air fryer, je sais pas trop, je vais peut-être le mettre comme ça. Je sais pas, en tout cas, j'en peux plus là de tout ce bordel. Je peux plus, voilà. Mais de ce côté-là, j'ai pas de place. Bon, là, c'est le bazar parce que j'ai tout mis là, qui était là. Mais j'ai ma machine à fonte pour les fondants, donc ça prend pas trop de place. Habituellement, bah, j'ai ça qui est juste là au bout avec tous les ustensiles de cuisine. Mais c'est plus ce côté-là là, qui me fait vomir. Pourtant, il y a plein de... Enfin, vous voyez, j'ai ça pour la cafetière qui est super pratique avec les dosettes. Là, faut que je fasse le tri dans les bacs. Faut... Voilà, je vais ranger ça. J'ai que ça à faire. Non, mais sérieux, je m'aventure dans les trucs alors que j'ai vraiment pas que ça à faire. Bref, je vous montre le résultat après. Quand bon, je vous retrouve, nous sommes toujours, hop là, nous sommes quel jour? Jeudi. Il y a ma cousine qui est venue aujourd'hui, elle m'a aidé à emballer plein de fondants parfumés. J'ai refait du stock, j'ai fait plein de petits fondants cerises noires,
J'en ai fait plein des doux rêves. Alors, vous voyez, ils sont un peu plus clairs que d'habitude. D'habitude, ils sont bleu marine. Je pensais que mon colorant était plus foncé. C'est pas grave, sur cette tournée-là, ça sera des fondants bleu ciel. J'ai refait plein de poudre d'aspirateur, poudre parfumée que vous pouvez utiliser pour les aspirateurs. Sur les tapis, sur les tissus, vous aspirez, vous pouvez mettre au fond de votre poubelle, dans un cendrier, dans un petit sachet, dans votre armoire, partout où vous voulez. J'ai fait ma commande pour recommander des petites fioles pour mes suspensions de voiture, puisque vous m'avez dévalisé. Donc là, il me reste un sapin et deux barbes à papa. Donc, vous voyez, c'est normal que les paillettes et la poudre de Mika se mettent en bas. Donc ce qu'il faut faire, c'est les secouer. Là, je les secoue parce qu'il y a bien l'opercule à l'intérieur. Hein, donc le liquide ne se mettra pas dans le bouchon. Mais voilà, il me reste deux barbes à papa et une sapin. Mais je vais en recevoir là prochainement. Donc je vais en refaire et je vais vous amener dans la cuisine. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Les garçons sont en train de jouer au jeu de cette famille. Bon, c'est un petit peu sombre. Attendez, je vais vous baisser. J'ai une tonne de vaisselle à faire du coup. Hop là. Donc du coup là, j'ai fait couler des fondants parfumés crème de soin. Donc ça sent la crème Nivea. Et là, j'ai fait des petites gaufrettes comme ça, noix de coco. Voilà, j'aime beaucoup les gaufrettes comme ça. Ça serait que moi, je ferais que des fondants gaufrettes. Mais je sais que vous aimez bien quand il y a de la couleur, de la paillette, différentes formes, etc. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les petites gaufrettes comme ça. Je trouve ça trop trop joli. J'aime bien jouer avec les couleurs, les paillettes. Bon là, je suis en contre-jour, donc vous n'allez pas voir. D'ailleurs, en parlant du jour, c'est la tempête dehors, un truc de ouf. Attendez, hop, vous allez peut-être mieux me voir là, ouais. Ah mais ça va, je vous avais retrouvé, du coup j'ai rangé. Alors ça, hop, je vais mettre ailleurs. J'ai organisé comme ça, du coup je sais pas si vous allez voir. Regardez, j'ai mis le petit meuble là, bon je vous montrerai mieux, mais le petit meuble Chine. J'ai quand même gardé les trucs en bambou. Dedans j'ai mis le chocolat et les pailles pour les garçons, le chocolat en poudre. Les ustensiles de cuisine, en fait je vais les mettre de l'autre côté de la plaque, mais parce que là j'étais en train de faire des bougies. Voilà, je suis trop contente de ce truc là. J'ai enlevé mon tourniquet là d'épices et j'ai enlevé le truc à étage pareil qui venait de chez Shein, qui était très bien, mais là j'avais pas assez de place. Du coup j'ai décalé l'air fryer. Enfin en fait j'aime trop, ça me fait de la place. Je sais pas si on va aller en course là ce soir, j'avoue j'ai un petit peu la flemme. Mais on n'a pas fait de course, donc on n'a pas grand chose à manger là, à vrai dire. Je vais faire toute la vaisselle parce que les poudres parfumées, bah, c'est un saladier par poudre parfumée. Donc là j'ai 4 saladiers à laver plus les petits bols avec lesquels j'ai fait les fondants. Je vais continuer quelques fondants, j'ai acheté plein de nouveaux moules, je vais vous montrer ma commande Chine, mais des petites tablettes comme ça et tout, je vais voir ce que je vais faire. Donc ouais, je vais vous tourner après le haul Chine, comme ça après je rangerai tout. Et je vais faire le tri un petit peu dans mes classeurs, bah, je vous montrerai, mais en gros j'ai des classeurs où je mets les étiquettes pour les fondants, pour les bougies, pour les fondants crémeux, enfin voilà, chaque j'ai des intercalaires pour chaque produit. Et il y en a que j'ai pu, que j'ai pas là en impression, et c'est chiant, à chaque fois faut que j'imprime au dernier moment machin. Donc là je vais tout imprimer d'avance, comme ça mon classeur sera rempli, ça sera plus pratique. J'ai mon rouge à lèvres qui commence à s'estomper, je l'ai mis ce matin. J'ai mangé ce midi et tout, hein. Truc de dingue. Il vient de chez Shein, je vous montrerai lequel c'est. Et je vais également commencer la collection de Pâques. Je pense que je vais la collection. Je vais la commencer demain, j'ai pris des petits moules beaucoup trop mignons. Et je vais faire une box en fait de Pâques. J'aime bien faire des box, je trouve ça trop cool. Et moi j'aimerais trop, si j'étais une acheteuse, voilà, chose que je suis, hein, chez d'autres personnes. Pas de bougies parce que du coup maintenant j'en fais. Mais c'est des choses que j'aime bien, les box, voilà, je trouve ça cool. Donc il faudra que je commence ça demain. Je me suis fait également des poudres d'aspirateur pour moi, hein, quand je vous dis que j'adore ça. Et puis il faudrait que je fasse tous mes fonds de bougies aujourd'hui pour pouvoir les finir demain. Je vais voir ça, ce que j'ai le temps de faire ce soir, parce que là il est déjà 5h30. Donc je vais m'activer. Là je vais faire ma vaisselle. Après je vais sûrement boutonner le haul Chine. Je vais... Voilà, bref, je vous retrouve un peu plus tard.
Bon, je vous retrouve toujours jeudi. Décidément, cette journée est interminable. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, mais je sais plus quand est-ce que je vous ai retrouvé. Ma cousine est venue, donc je vous disais, elle m'a pas mal aidée à faire les emballages et tout, des fondants. Enfin, franchement, un amour. Heureusement qu'elle était là aujourd'hui, ça m'a bien avancé. Ensuite, quand elle est partie, bah, j'ai continué à faire le stock. J'ai fait le réassort donc, de bougies. J'ai vraiment pas mal avancé, je suis contente. Donc là, aujourd'hui, on a fait poudre parfumée, fondant, bougies. Et demain, je finirai les bougies, je ferai la chantilly. Là, j'ai fait vraiment les bases. Et je ferai les fondants crémeux. Voilà, demain, ça sera journée chantilly. Voilà, là, je suis allée déposer vos commandes. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris sur Shein. Alors, il y a principalement des choses pour la boutique. Ouais, il va y avoir d'autres petits trucs, mais bon, je vous le dis quoi si ça vous intéresse pas. Donc c'est parti, je trouve plein de trucs sur Shein, franchement ça vaut grave le coup. Donc tout d'abord j'ai repris du papier bulle, j'ai déjà bien attaqué aujourd'hui parce que je vous dis j'ai préparé les commandes. Et en fait c'est du papier bulle violet et les petites bulles ce sont des cœurs. Vous allez peut-être pas le voir là, mais je trouve ça trop chou et en fait je l'achète parce que ce format là c'est top. Vous voyez, je découpe un bout et j'emballe les bougies dedans. Donc franchement top. Et il est super épais. J'ai repris plein de nouveaux moules. Donc je vais vous les montrer brièvement. J'ai pris deux moules comme ceci. Voilà, des petites tablettes. J'ai plein d'idées à faire avec. Donc ça, vous les verrez prochainement sur la boutique. J'ai pris des petites patounes de chien. Voilà, j'en ai pris deux également. Ensuite là c'était un lot de 3 il me semble fleurs. Alors c'est des fleurs différentes. Voilà. Les petits animaux marins. Hop. J'ai pris celui-ci. Alors il est très très gros. Ça va être pour faire une déco pour la bougie Barba Papa je pense. Mais je le couperai peut-être en deux. Je ne sais pas encore. J'ai pris les chiffres et les lettres. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits moules comme ça, pareil, avec des fleurs, des nœuds, des machins. Il y en a plusieurs comme ça. J'ai pris celui-ci. Alors, je ne sais pas pourquoi, il faut que je regarde sur l'appli. Je ne sais pas ce que j'ai voulu faire avec ça. J'en ai pris plusieurs. Des comme ça. J'en ai pris trois. Donc, à voir. Celui-ci, je ne le voyais pas aussi gros, mais je vais pouvoir quand même en faire quelque chose, donc des petits ananas. Ceux-là, pareil, ils sont énormes. Je ne sais pas si on va se rendre compte en vidéo. Désolée pour le bruit. Deux comme ça. Et ça, ça va être pour faire des box découvertes, donc les fondants seront plus gros. J'ai repris le moule comme ça, papillon, pour les frangipanes et jasmin. Hop. Celui-ci, alors ceux-là sont tout plats, mais pareil pour mettre en déco sur une bougie. Pour Pâques, je trouve ça trop trop chou. Voilà, j'ai hâte de commencer la collection de Pâques. J'ai repris le moule à macarons, pareil, j'ai une idée en tête. Et j'ai également acheté des boîtes, voilà, comme ceci. Les petits autocollants que vous voyez, pareil, sur le papier de soie, sur la boutique. Un autre mot comme ça. Ça, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est une commande que j'ai faite moi-même. Hein, si je suis pas en partenariat. Un moule cœur comme ça. Là, on a plein de petits moules. Alors, on en a un geek comme ça parce que j'ai une idée en tête. Un geek, c'est des manettes. Des fleurs. Ça, c'est pour mettre en déco. Sur mes bougies. Voilà, c'est des choses que j'ai déjà. Hein. Mais j'en ai repris, là ce sont des petits biscuits, une fleur, une robe, je vous montre brièvement, là on a encore un moule avec des fleurs, là on a pareil des fleurs, c'est un gros moule avec une grosse fleur dedans. J'ai également pris un ruban comme ceci en satin, j'ai repris un vernis semi-permanent, j'ai repris un vernis semi-permanent, la dernière fois j'en avais pris un et franchement il est top. Donc j'ai voulu en reprendre un et celui-ci, je sais pas si vous allez voir, c'est un rouge pailleté.
Voilà, ils sont bien, ils sont genre à 1 euro. Donc voilà. J'ai également pris des nouvelles toiles pour mon bureau parce que j'en ai marre que mon bureau soit moche. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de décorer tout ça. Donc c'était un lot de 3 posters. Alors c'est de la toile. Hein. Il faut que j'achète des cadres à action pour les encadrer et les accrocher au bureau. Donc je suis secrétaire médicale, hein, c'est un peu glauque au niveau des photos. Mais je trouvais ça sympa d'avoir des organes en photo, enfin en image quoi. Mais fleuri parce que bah, j'aime trop les motifs de fleurs comme ça. Donc là nous avons les poumons, voilà. Donc bah, je suis secrétaire médicale en pneumologie, donc voilà. Ensuite nous avons le cœur, franchement je trouve ça trop beau. Voilà, et ensuite nous avons le cerveau, voilà. C'est beau hein, avec les fleurs. J'en avais vu un autre avec un stéthoscope et tout, trop trop beau. Mais il est en rupture, c'est dommage. Donc je vais acheter des cadres, je pense que j'irai demain à Action parce qu'il faut que j'achète des sacs à crottes, voilà, très intéressant pour la chienne. Et comme ça quand je reprendrai le boulot, bah, j'accrocherai ça à mon bureau et ça va bah, décorer un petit peu mon côté en tout cas du bureau puisqu'on est 4 dans le même bureau. Mais au moins sur mon pan de mur derrière moi, je mettrai ces petits cadres là. Voilà, je suis désolée pour le bruit, les garçons sont complètement excités, ça a été une journée un petit peu... Ah, comment vous dire, un peu bruyante, voilà. Ils vont pas tarder à aller se coucher parce qu'il est déjà 21h. Et moi je vais continuer à ranger un petit peu. Je vais peut-être faire un montage ce soir vidéo pour m'avancer pour ce week-end de ce vlog. Là je vais commencer le montage parce que je me dis qu'on est déjà jeudi donc faut que je m'active. J'ai un petit peu moins mal au cervical aujourd'hui, mais j'ai quand même mal et je me suis pas assise de la journée, donc je pense que je vais payer ce soir. Mais je suis quand même contente de ma journée, ça a été une journée productive comme je voulais. J'aurais aimé faire encore plus de choses, mais bon bah voilà, j'ai pas pu non plus faire tout ce que je voulais. Et puis voilà. Bref, je vous laisse ici pour ce soir. Je vous retrouve demain pour la suite et voilà. Je sais même pas si je vous ai retrouvé aujourd'hui, je ne pense même pas que je vous ai allumé aujourd'hui. Nous sommes vendredi et je n'ai pas arrêté de la journée. Attendez, je m'assois pour vous parler 5 minutes. Donc comme je vous disais, nous sommes vendredi. Ce matin, ma cousine est venue à la maison. Et on n'a pas arrêté. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a amené les garçons à Wow Park. Ils se sont bien amusés, ils étaient contents, ça les a bien défoulés. Ensuite, nous sommes allés faire des courses à Lidl. Donc j'ai fait un gros plein de courses, je vous ai tourné un retour de course. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'avais pas tourné sur ma chaîne. Avant, j'en faisais. Et là, ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné parce que je suis tout le temps dans le speed quand je rentre des courses. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a mangé et j'ai fait le réassort de plusieurs bougies. Bon, il m'en reste encore à faire. Mais il faut que je refasse une commande fournisseur parce que je n'ai plus de cire pour les bougies. Et en même temps je faisais des bougies, ma cousine était en train d'emballer tous les fondants. Donc elle m'a grave avancé, grave aidé, enfin franchement adorable. Et ensuite j'ai préparé un colis vintage, j'avais un colis vintage à faire et à envoyer. Nous sommes allés à Action avec ma cousine, elle est repartie chez elle. Et moi je suis allée récupérer le drive à Leclerc. Donc là, je vais vous tourner, là, je vais vous laisser. Après, je vais tourner le retour de course Leclerc que je mettrai avec le retour de course Lidl pour faire un retour de course complet. Je vous montre vite fait ce que j'ai fait en bougie. N'en déplaise à certaines, n'est-ce pas? Donc, j'ai refait des adoucissants, des fleurs d'oranger, monoï. Ça, à chaque fois, en fait, il me restait de la chantilly. J'en ai fait trop, donc je me suis fait des petites bougies. Bon, j'ai pas encore coupé les mèches. Voilà. Là on a fleurs de cerisier et là donc on a les bases vanille, barbe à papa, fleurs de coton, mais bah, j'ai plus assez de cire pour faire la chantilly. Donc voilà, je vais commander tout ça puis je ferai la chantilly. Sachant que j'en ai d'autres aussi là-bas, j'ai fait des cafés, enfin bon bref. J'ai bien avancé, je suis super contente. Maintenant je vais avoir la vaisselle à terminer. Il faut que je vide mon lave-vaisselle aussi que j'ai fait tourner tout à l'heure. J'ai bah, toute ma commande Chine que je vous ai montrée hier. Arranger avec tous les moules, je vais me réorganiser au niveau des moules, savoir exactement ce que je fais, voilà.
que je note tout. Et je voulais tourner des vidéos, donc je vais essayer de faire ça tout à l'heure, ou bien demain, au pire des cas. Je vais vous montrer après ce que j'ai pris. Non, je vais pas vous le montrer là, je vais vous faire un haul action. Et pareil, je vous mettrai une autre partie du haul action dans une autre vidéo. Hop, j'ai emporté les courses. Comme ça, ça vous fera un haul action. C'est vrai qu'à chaque fois, je les intègre dans les vlogs. Mais c'est bien de faire aussi juste un haul action. Voilà. Donc, je ferai ça après. D'abord, je vais tourner le retour de course. Il n'y a pas grand-chose, mais au moins, ça complétera le retour de course vide. Voilà, Valou. Donc, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Aujourd'hui, samedi, dimanche, et je ne vous ai absolument pas retrouvé hier. Pourquoi? Parce que j'avais énormément de choses à faire. Je n'ai pas arrêté hier. Et hier soir, nous sommes allés manger chez mon frère avec mon père. C'était super sympa. On a passé une très très bonne soirée. Et avant de partir chez mon frère, j'ai fait tout le montage de ce vlog. Ça m'a pris grave du temps. Et il y avait un bug, j'arrivais pas à l'enregistrer. Je ne sais pas ce qui se passait. Mon ordi n'arrêtait pas de s'éteindre. Alors mon ordi est un peu vieux. Il faut qu'on en rachète un d'ailleurs. Mais il n'arrêtait pas de s'éteindre. J'ai essayé d'enregistrer le montage au moins 5-6 fois et je l'ai fait en rentrant, donc à minuit et quelques, ça a fonctionné, mais du coup je n'ai pas ce rush là de clôture, donc j'espère que ça va refonctionner à nouveau. Je suis deck parce que j'avais tout fait le montage hier et je m'étais dit comme ça je programme la vidéo ce matin de bonne heure, et voilà. Du coup là il est 10h-10 et la vidéo n'est toujours pas en ligne. N'est toujours pas fini de monter du coup, donc je vais faire ça tout de suite. Je vais clôturer ce vlog ici parce que de toute façon il est assez long comme ça. Je vais ouvrir un nouveau vlog tout à l'heure, comme ça ce sera le nouveau vlog de la semaine prochaine comme d'habitude en fait. C'est juste que d'habitude je le retrouve le samedi, là j'ai vraiment pas eu le temps, j'ai fait plein de trucs, mais je vous expliquerai tout ça dans le prochain vlog. Donc je vous laisse ici, j'espère que ce vlog de nos vacances vous aura plu. Je reprends le boulot demain. Tristesse, mais bon, il faut bien y retourner un jour. De toute façon, hein, les vacances ne sont pas éternelles, n'est-ce pas? Donc, je reprends le boulot demain. J'espère que vous passez, ou vous avez passé, ou que vous passerez de bonnes vacances. Un bon week-end. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo et le week-end prochain pour un nouveau vlog. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Mouah.